Salut les touristes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on a décidé de vous montrer les plages de Saint-Brieuc. Donc bah si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, allez-y, faites-le. Et puis c'est parti. Donc là, on est ici, c'est la première plage qu'on va voir et on ira jusqu'à Anse-Mabouya pour vous montrer toutes les plages qu'il y a à Saint-Pus. Donc ici, Anse de Rorézin, la plage la plus près du bourg de Saint-Pus, donc la plus facile d'accès par rapport au bourg. Ce qui est bien sympa dans cette plage, c'est qu'il n'y a pas grand monde. On peut se reposer tranquillement sur la plage. Donc ici, comme je vous ai dit, on est sur la plage de Rorézin. Et pourquoi? Parce que sur la plage de Rorézin, il y a les arbres qui s'appellent les résiniers. Et ça, c'est les raisins de Saint-Luce. C'est cool, non? Donc ici, c'est Rorézin 1. Et là, on se dirige vers Rorézin 2. Nous voilà à la deuxième plage de Gros Raisin. Et là encore, pareil que l'autre, il n'y a personne les gars. C'est une plage parfaite. Et pourquoi c'est toujours une plage de Gros Raisin? Parce que il y a toujours le résinier. Ici, il y a deux restaurants, celui-là qui s'appelle l'Océan et celui-là qui s'appelle Caribbean Food. Ok, donc j'ai remarqué que sur toutes les plages de Saint-Luc, il y a toujours un panneau pour nous rappeler que les plages ne sont pas des décharges. Donc ramassez vos déchets les gens. Après ce sont des amandes, tu sais c'est l'amandier de bord de mer, ça vient de là, juste là. Et dedans en fait si tu l'ouvres, voilà c'est, il est pas mûr, mais quand c'est sec, ça devient tout marron. Et c'est trop bon en fait. Tu peux l'ouvrir comme une amande en fait, ça fait une toute petite amande, genre de la taille d'un mangue. Et c'est trop, trop bon. Ah ouais. À goûter, ouais. Il faudrait qu'on teste alors. Carrément. Il faut qu'on teste ça les gars. Ici c'est la plage de Pont Café les gars. On y va. C'est quand même bien sympathique toute cette plage déserte les gars. Que demande le peuple? Et juste là-bas, ce qu'on voit, c'est
Le rocher du diamant, les gars. Petit chemin, les gars. Ça vous donne envie d'y aller? Pour aller à l'encore de garde, allez. Suivez-nous. Fredo, pourquoi il faut pas passer ici en temps de pluie? Là, juste ici, on a des mantelignées. Bon, c'est une lignée, putain, à chaque fois j'oublie. Et c'est un arbre hyper toxique. T'as la sève en fait qui peut tomber. S'il pleut, la sève se mélange avec les couteaux et ça brûle. Franchement, ça peut créer des grosses brûlures. Second degré, je crois. Ouais. Du coup, c'est bien dangereux, les gars. On évite les mantelignées en temps de pluie. Donc les gars, on dit pas mantelignée, on dit mantelignée, les gars. Nous voilà sur la plage de Corps de Garde, les gars. Le bain a l'air bien bon ici, la plage est super belle, regardez-moi comment c'est tropical ici. Si vous voulez faire des cours d'aviron, c'est sur la plage de Corps de Garde, les gars. Donc c'est super sympa sur cette plage, on peut faire de l'aquagym, de l'aviron, se baigner. Il n'y a pas grand monde et profiter de la vie. Cette plage est bien sympathique. Nous voilà sur la plage de Fond Banane, les gars. Fond Banane, toujours à Saint-Cluz. Plage bien sympathique. Il y a un petit restaurant ici que j'ai déjà goûté qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Okay. Et c'est bon. Et la mer, elle est parfaite. Un petit peu de vagues, sans trop de vagues. Un peu calme, sans trop calme. Elle est parfaite cette plage. Et comme toutes les plages de Saint-Cluz, il n'y a pas grand monde. Et toujours le rocher du diamant au loin. Ce qui est cool sur cette plage, c'est qu'il y a plein d'ombre. Du coup, c'est parfait pour y emmener les enfants. Si vous avez des enfants, parce que si vous n'en avez pas, c'est juste pour pas attraper de coups de soleil. Voilà. Ici, c'est désert petite plage. Les gars, quand on voit un déchet, on le ramasse. Et on le met à la poubelle. Voilà, arrivé presque au bout, donc là on est à la plage de désert, petite plage, on se dirige vers la plage de désert et ensuite lance ma bouilla. Plage de désert qui porte bien son nom, hein. On arrive à la plage de Font-l'Arignon, les gars. Il y a toujours la musique par ici. Et en fait la plage de Font-l'Arignon fait partie de la plage de désert. La plage de Font-l'Arignon, ce qui est cool dans cette plage, c'est qu'il y a un petit endroit pour les enfants avec une barrière et donc du coup c'est super sympa. Conseil les gars, ne vous mettez jamais sous les cocotiers,
n'est jamais à l'abri d'un coco qui tombe. Comme ici. Et voilà, Lance Mabouya, les gars. La dernière plage que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la plage de Lance Mabouya à Saint-Pons. Allez, on y va ? Elles sont pas cool les plages de Saint-Pons quand même. Y'a personne, les gars. C'est ici que se termine cette vidéo, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Dites-moi dans les commentaires quelle était votre plage favorite parmi toutes les plages qu'on a vues. Et puis bah nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye !